Daniel, c'est moi. Je viens de te laisser un message sur ton portable. Je t'en laisse un là aussi. Je pense que c'est ton chantier, secret. Écoute, je serai à Paris lundi soir, en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est une fille froide un peu, Sonia, non? Pourquoi tu dis ça? T'es con, quoi? C'est une fille géniale. Elle a une grande capacité de travail et elle aime ça. Résultat, elle se met complètement là-dedans et elle a pas de temps pour nous. Et moi, quoi? Il faudra que je sois aux ordres? Hein? Seule quand elle est seule, disponible quand elle est disponible. Peut-être que tu te lances dans des trucs qui te compliquent la vie. Aimer, c'est plus simple que ça, non? Non. C'est pas plus simple. Bruno? T'es là? Vous voulez quoi? Je t'ai pas dit, il y a une sorte de type qui me court après, genre. Un dingue. C'est sur le chantier là qui vient, il est persuadé que c'est chez moi, que j'habite là. Il est tout le temps là. Mais il est dangereux? Il est amoureux de moi. Ah oui? Ouais, il m'aime carrément, il me trouve génial. C'est un problème quand même. Moi, le jour où tu m'as regardé, mais c'est comme un rideau qui s'est déchiré. Je t'ai vu tellement net. Parfois on se trompe, hein. On s'imagine des trucs. On se monte un plan sur quelqu'un. Tu me dis que tu sais pas si tu m'aimes quand je suis là. Je sais moi, mais c'est intéressant aussi, je sais pas. Je suis là, c'est intéressant. Merde! Oh, tu m'aimeras! Tu m'aimeras, c'est pas possible autrement! Je t'oublie! J'ai pas compris là! Tu vas me quitter, c'est ça? Pourquoi? Parce que tu veux qu'on arrête? Mais t'es folle! Non! Ça me donne envie de chialer des fois, de voir que tu comprends tellement pas ce qui se passe.